Du coup, on est parti là pour ce prochain BO3 là. Tart, il pousse dans Main Hike là qui nous sort un petit. Comment s'appelle? Un petit Falco. C'est bon, ça sent à la fin de la semaine là les noms qui ne viennent pas. Un petit Falco du coup là pour se mettre bien. Écoute, on va voir ce qu'il va faire. On va voir s'il va faire des up tilt hein. Des up tilt up tilt back air, des choses comme ça. On va voir s'il va balancer les combos. Ok. Alors pour l'instant, on a Maggie qui va tranquillement trouver ce fer. Ça va pas tuer par contre. Ok, tranquille. Ça va, c'est bon. Ça va. La game est. Backer ! Oui ! Nerbacker ! Ça passe. Je savais même pas que ça passait. Oui, Nerbacker. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. La front qui gratte des dégâts. Oh, dommage. Dommage. Tu reviens ? Non, tu reviens. Si tu. Non, le buffer. Le dernier coup n'a pas connecté et c'est ce qui a permis à Tartipus simplement mourir. Bon, ici il est à 74% Tartipus, on va voir s'il arrive à remettre des choses là. Attention. Il a un peu de mal hein. Il a un peu de mal mais il trouve des gars. Voilà, throw, upper. Oh, c'est bien ça, c'est pas mal du tout. Aïe Falco, on dirait moi sur Smash 4. Et le backer qui va toucher ici, ça va être mal lié, je pense. Je pense qu'il pouvait survivre quand même, même si c'était le souffle du backer. Ok. Oh, dommage, le Smash qui passe pas. Yep. Ok. Bon bah, Fro là qui va devoir essayer de gratter hein, tout ce qu'il peut. Et il va le faire bien. Pour l'instant là, il attend juste. Mais j'ai l'impression qu'il tape un petit peu fort, hein, il tape un peu fort sur les boutons. Ça y est, il a trouvé le fer. C'est dommage, autant taper. Bah non, ça se voyait. Ah, faut faire attention à ça. Ah là là, il s'en veut, je crois. Je crois qu'il s'en veut. Ok. Ah, pour l'instant, pour l'instant, la game est si even là, les deux joueurs qui ont une stock partout. Ah, ça y est, Fro qui trouve des dégâts là. Ah, c'est autour de ta boost. Tiens, il se renvoie la balle dans les deux camps. Et ils attendent tout simplement. Le petit, ça va rater ça. Dommage. Faire attention parce que offstage, ça peut tuer vite, hein, Sonic. Ça peut tuer vite. Surtout sur une map aussi petite, bien sûr ça connecte pas, ce serait trop beau parce que Sonic s'il marche il y a un problème hein. Ok, dommage, je pense que le petit qui touchait par contre. Ok, la Max Roll là. Ah, qui va se faire voir, parce que je suis sûr que. Enfin Fro il peut toujours se faire voir par une bêtise hein. Ah bah non, ah bah ouais. Non, c'était bien réagi. C'était bien réagi de la part de Fro. Parce que non là il a été très réactif pour trouver ce backer. Du coup ça fait 1-0 pour lui. Et il y a encore ce putain d'Avernadia qui a déconné. Voilà. Ouais, le stage ne t'a pas aidé hein. Ça s'est senti. Il switch Ike ou pas? Il switch Ike. Alors, est-ce que Tartipus a fait plus de nerfs maintenant? Est-ce qu'il maîtrise la base du nerf upper? On va voir. Non, il est plus en taureau. Ah, c'est bien. Ah, il a commencé par un nerf. Ouais, par contre, les smash dans le neutral, gros. Oh, généralement, on évite. Oh, du coup. Ok, pas mal. Oh, c'était bien ça, ce B, il est revenu sur le ledge. C'était bien. Ok, je pense qu'il a amélioré son hike. Il y a plus de nerfs déjà. C'est bien. Un petit
petit up smash, ça fait plaisir. Oh, oh, ça veut flex comme jamais là avec avec Fro. Là, il veut juste flex. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des mains Sonic la Skytech. La Skytech, c'est quand tu flex. C'est beau. Et là, oh, il continue. Bon, là, c'était trop. Mais ce sera pas fini. Aïe. Niveau du match-up, c'est assez even en vrai parce que Sonic il veut venir très facilement dans la zone de confort d'Ike. Il peut passer la Shred Bubble assez rapidement à la Shred Bubble. Bien sûr, c'est la portée combinée de tous tes aérios. Enfin, de tout coup. La portée combinée, en fait, du coup, quand tu es dedans, tu es dans la Shred Bubble, tu es la bulle. Tu es en danger, simplement. La bulle de menace. Voilà. Mais du coup, avec Sonic, tu rentres assez facilement dans celle d'Ike. Donc, il faut faire attention. Après, Sonic, il meurt vite. Hein. Là, il faut essayer de trouver un air. Ouais, ou ça. Ça marche aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça marche, ça aussi. C'est vrai. Aïe, trop loin. Puis assez de saut, trop loin. Ça va, pareil. Là, c'était juste pour te flex dessus aussi. Bon bah Fro là qui va continuer, qui a une stock d'avance avec en plus qui a le stage control et qui se met juste bien hein. Ok. Attention ici là ça peut être compliqué. Le Tartipus là qui peut survenir. Non, c'est bon, ça va. Il prend pas assez son temps. Oui, dommage. Il sait que l'éruption c'est fort, mais après il va pas forcément au bon timing. Ok, aïe. Il maîtrise pas Sonic, ça se voit. Enfin, Tartipus, hein, voit pas vraiment ce qu'il faut faire contre Sonic. Ça se voit, c'est bien triste. Attention avec ce jump, hein, ça peut faire mal. Ouais, upper, c'est bien ça. Dommage, attention. Fro là qui... Oh là là, Fro qui... Il se prend aucun coup, il va juste essayer de trouver ce kill là. Bah c'est fini, non, je ne pourrais pas smash simplement. 50%, hein, ça, il serait temps de mourir à un moment. Il serait temps de mourir. Voilà, ce forward air, ça va tuer. Ça va tuer. Et du coup, bah, ça va être Fro qui va gagner 2-0 ce match. Je coupe pas les cordes.